Bonjour à tous, donc au camp de Parawen, vous savez tous les ans on essaie que les crocodiles d'eau douce, les faux-gaviales de Calaouette, se reproduisent. L'année dernière on y est presque arrivé, les petits se sont bien développés dans les incubateurs, mais on a eu malheureusement des coupures de courant à répétition et on est pas les œufs ne sont pas arrivés à terme. Mais on y était presque et là ça fait 2 mois que la femelle a fait son nid, donc il y a déjà 2 mois elle a fait ses œufs. Et là, c'est le moment d'aller les récupérer. La période d'incubation est à peu près de 90 jours. Donc là, Andrew est en train de préparer les feuilles. C'est toujours un mélange de... Hop, il prend par les feuilles comme ça. La litière, en fait, pour les œufs dans l'incubateur. C'est toujours un mix entre humidité, chaleur constante, la chaleur qui va définir à terme aussi le sexe des individus. Coronavirus toujours tenu orange. Et là on se dirige donc vers les crocos. Il va falloir certainement attraper la femelle qui protège son nid, ce qui est toujours bon signe, pour pouvoir ensuite délicatement récupérer les œufs. Alors évidemment vous avez compris ou vous le savez déjà, hein. On veut que les crocodiles se reproduisent pour pouvoir ensuite relâcher les jeunes. Donc elle est très protective, ce qui est normal, et c'est encore une fois bon signe. Donc là on va essayer de l'éloigner de son nid et lui attacher la mâchoire supérieure. Quelques minutes plus, le temps de récupérer les œufs. Nah, sebenarnya pernah lihat aja kan, kita juga sering ini di sini kan juga mindahin buaya ini. Jadi caranya seperti ini. Elle se débat, c'est normal, là il faut l'éloigner du nid pour pouvoir ensuite récupérer les œufs. Pas très agréable pour elle, mais ça va durer vraiment quelques minutes, ça va aller très vite. Alors le moteur que vous entendez, c'est la pompe pour envoyer l'eau au cache des jubons. Donc il faut faire attention à cette femelle qu'on isole, c'est évidemment la plus agressive. Mais aussi dans les bassins à côté, on a toujours les autres crocos. Donc il faut faire attention. À côté de moi, le nid, les crocos, normalement, ils vivent surtout dans les zones de tourbière. Donc ils font leur nid dans les souches d'arbres, dans les forêts inondées en fait de Bornéo. Donc là, elle a pris ce qu'elle avait sous la main, donc des feuilles, de la terre. Donc maintenant, il faut voir où sont les œufs précisément, parce que c'est une opération assez délicate. Qu'on appelle un père indigne. On envoie son fils dans la cage aux crocos, normal. Ah super, la pompe vient de s'arrêter.
Alors, c'est un superbe nid. Maintenant, il faut faire attention au moment où on les prélève, qu'ils restent exactement dans la même position. Donc là, Andrew fait des marques au feutre pour s'assurer qu'il reste bien dans la même position. Puis on va vite aller à la maison pour brancher les lampes chauffantes. Puis on va peut-être mettre des petites coupelles d'eau. Et puis il y a un thermomètre avec un hydromètre qui va donc mesurer la température et l'humidité. Les deux facteurs essentiels pour voir des petits crocodiles émerger des œufs. C'est aussi cette espèce de crocodile qu'on trouve dans le lac de Doulan. Il y a peu de chance, si on a des petits, qu'on puisse y relâcher là-bas. Je pense pas qu'on aurait l'autorisation des villageois. Mais on pourra trouver aisément des petites rivières, loin des hommes, pour pouvoir relâcher ces petits. Alors, je préfère être pas trop optimiste, parce que ça fait des années qu'on essaie. L'année dernière, on est presque arrivé. Les crocodiles étaient quasiment entièrement formés. Mais ici, c'est vrai que l'électricité est aussi un souci. Et on a eu régulièrement des pannes d'électricité. Là, avec les installations solaires qui sont à la maison, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc, on croise les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il y a au moins 25 œufs. J'ai l'impression que ces crocodiles, ils font plus d'œufs que nos poules à la maison. Il y a un truc qui opère. The last year, there's two nests of this crocodile. There's one on the left and one on the right. But this year there is only one on the right, and hopefully it turned out a baby croc. Again in French. No. Okay. Sip. Voilà, donc la femelle est libérée. Maintenant on va vite à la maison, brancher les lampes, etc. Et là je vais aller au camp pour vous montrer le stade de développement des crocodiles. Des petits crocodiles qui sont pas arrivés à terme l'année dernière. Les vétérinaires en ont gardé un dans de la formaline, donc je vais vous le montrer. Donc l'année dernière, on était arrivé à ce stade de développement. Donc il était presque à terme. Mais encore une fois, on avait eu régulièrement des coupures d'électricité. Donc là on croise les doigts pour que ça marche. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est que quand ils arrivent à quasiment à terme, il faut les aider, il faut un peu casser la coquille pour qu'ils puissent sortir. Donc voilà, on a installé avec Andrew les œufs dans leur incubateur. Il y a une sonde donc à l'intérieur pour mesurer la température extérieure et intérieure de l'incubateur avec le niveau d'humidité. Et on va checker les œufs, un d'entre eux, dans 15 jours. On croise les doigts. Et moi je vous dis bien sûr à lundi prochain. Ciao! Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.